de la première journée médico-chirurgicale de la wilaya de Chlef. Dans le programme, j'ai lu que je devais présenter les allergies oculaires, mais on m'a chargé de présenter quelque chose de plus grand qui va passer sur les allergies oculaires. Je suis tenu de présenter la conduite à tenir devant un œil rouge en pratique quotidienne. Je commencerai par introduire. Je dirais que c'est un motif fréquent de consultation. Le diagnostic positif de cet œil rouge douloureux doit bénéficier d'un examen complet. Les étiologies sont multiples. L'œil rouge ne doit pas se limiter dans le terme de conjonctivite. Il faut tout d'abord éliminer une urgence. La gravité, le pronostic, le traitement est variable, dépendant des étiologies et des lésions associées. Les urgences sont pratiques. Deux questions à se poser. Y a-t-il un caractère d'urgence? C'est l'œil rouge non douloureux sans baisse d'acuité visuelle qui témoigne d'une pathologie qui est plus ou moins, qui est plus ou moins non menaçante à la vision, d'un œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle où le pronostic fonctionnel est en jeu. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut-il ou pas passer ce malade à un ophtalmologiste? Donc, dans l'évaluation de l'urgence ophtalmologique, on a l'œil rouge sans douleur, sans baisse d'acuité visuelle. L'arbre décisionnel comporte les conjonctivites aussi bien virales, bactériennes, allergiques, les conjonctivites irritatives, celles de la sécheresse oculaire, les kératites phototraumatiques, les hémorragies sous-conjonctivales et les accidents de lentilles de contact. Deuxièmement, c'est la baisse de l'acuité visuelle et la douleur et les troubles de l'acuité visuelle. Cela rentre dans le cadre des urgences ophtalmologiques dont il faut rechercher systématiquement la présence de signes associés, à savoir céphalées, nausées, vomissements, la douleur et troubles de l'acuité visuelle. Deuxièmement, c'est rechercher la notion d'un traumatisme au niveau de l'œil qui est évident, soit une plaie, une contusion, une brûlure caustique ou bien des brûlures oculaires. Troisièmement, les kératites et en passant par les uvéites et bien sûr la crise de glaucome par fermeture de l'angle. Tout d'abord, on va commencer par les paupières. On a trois choses dans les paupières, la pathologie inflammatoire, la pathologie tumorale et bien sûr la pathologie traumatique. On va aborder la pathologie inflammatoire. L'inflammation de la paupière peut être localisée sur une paupière et dans ce cas, soit au niveau du bord de la paupière et dans ce cas, on parle de l'œil gelé, soit au niveau de l'épaisseur de la paupière et dans ce cas, on parle du chalazien. Elle peut être généralisée aux deux paupières et l'œil n'est pas atteint, et dans ce cas, on parlera des blépharites. Pour le diagnostic positif, les signes fonctionnels. Donc, on commencera par la rougeur. Donc, on précisera le mode de survenue, contexte de survenue, traumatisme, épidémie et atopie, et les soins reçus. Pour les signes associés, la douleur, elle peut être oculaire, périoculaire, irradiation dans le territoire du trijumeau. La baisse de l'acuité peut être absente, modérée ou profonde. La photophobie, le larmoiement, sensation de corps étranger, blépharospasme, ainsi que les signes généraux. L'interrogatoire, donc les antécédents ophtalmologiques, à savoir l'herpès, l'uvéite, glaucome, le port de lentilles de contact ou bien chirurgie, les antécédents généraux, médicaux et chirurgicaux, contexte de survenue, y a-t-il eu un traumatisme, y a-t-il eu une baisse d'acuité visuelle, y a-t-il une épidémie ou bien une atopie? Les signes associés, à savoir la douleur, la baisse d'acuité, les photophobies, l'armoiement et la sensation de corps étranger, ainsi que les soins reçus. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc le type de rougeur, donc, il y a celle qui siège, donc le siège, c'est l'hyperémie conjonctivale diffuse, surtout dans le cul de sac conjonctival. Le cercle périkératique, j'ai pas de pointeur, mais... Voilà. Le cercle périkératique qui témoigne d'une affection grave, c'est ce cercle-là qui entoure la cornée. Donc, il peut être prédominant autour de la cornée, étendu, localisé ou diffus. Donc, les étiologies. On a un œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle. Un œil rouge non douloureux sans baisse d'acuité visuelle. Une seule question à poser, c'est y a-t-il ou pas des sécrétions? Si la réponse est oui, est-ce que c'est une rougeur diffuse, unie ou bilatérale? Et dans ce cas, on est dans les conjonctivites. La première étiologie des conjonctivites, c'est bien sûr la conjonctivite virale. Donc, dans ce schéma,
on voit que cette petite a une conjonctivite virale au niveau de l'œil droit. Donc c'est une atteinte inflammatoire de la conjonctive. Elle est fréquente, souvent bénigne. Il faut savoir qu'elle est extrêmement contagieuse. La contagion se fait manuportée. Donc la notion de contage est toujours présente. La conjonctivite est de type folliculaire. Les signes d'inflammation sont importants. Il faut préciser que l'adénopathie prétragienne est inconstamment retrouvée et les pseudomembranes peuvent émailler l'évolution de la lésion. Donc, dans le schéma, c'est la kératoconjonctivite à adénovirus qui est responsable de la baisse de l'acuité visuelle qui se voit un mois après deux mois de l'évolution de la pathologie. Dans celle-là, c'est les pseudomembranes qui compliquent l'évolution de la pathologie. Dans le même contexte, la rougeur peut être diffuse, unie ou bilatérale, et on est dans les conjonctivites bactériennes. Les caractéristiques sont le contexte épidémique, le début unilatéral, se bilatéralise rapidement, la rougeur conjonctivale est diffuse, il y a des sécrétions mucopurulentes et l'œil est occlus à la matinée. Donc, trois critères, c'est beaucoup plus l'absence d'adénopathie prétragienne qui permet de confirmer qu'il s'agit d'une bactérienne, donc surtout pas d'indication des corticoïdes. L'AFSAPS a mis des recommandations en 2004 juillet pour les conjonctivites microbiennes. La première étape est indispensable, c'est le lavage oculaire qui doit être fait pour n'importe quelle étiologie. La deuxième, c'est priorité au colir antiseptique. Aussi bien les pédiatres que les gynécologues ont leur position des antiseptiques avisés pour les enfants, beaucoup plus parce que c'est eux qui sont susceptibles de développer ces pathologies. Le recours aux antibiotiques non systémiques, c'est-à-dire les antibiotiques topiques, a des indications bien précises devant des facteurs de risque. Donc, préférer les colirs sans conservateurs. Là, je vous rapporte les critères de gravité des facteurs de risque. Les critères de gravité ont été définis par la présence de sécrétions purulentes, importante, d'œdème palpébral, de chémosis, de larmoiement important, photophobie, baisse d'acuité visuelle modérée. Les facteurs de risque sont essentiellement le nouveau-né, plus rarement l'obstruction des voies lacrymales. Dans le même contexte, la réponse est oui. On voit si la rougeur est diffuse bilatérale avec larmoiement et on est dans les conjonctivites allergiques. Les conjonctivites allergiques, les critères sont beaucoup plus les signes fonctionnels avec le prurite très important, la saison pollinique, la rhinite allergique, l'œdème palpébral, la chronicité avec les récidives saisonnières, le terrain atopique, le prurite et la présence de papilles de taille variable. Beaucoup plus, on tient à ce que le lavage oculaire se fasse en premier lieu. Les antihistaminiques, d'autant plus que c'est une crise de conjonctivite allergique, donc c'est l'histamine qui est en premier lieu. Donc, et les mouillants, les corticoïdes, on ne les utilise pas chez les enfants en ophtalmologie. Une seule indication pour les enfants, c'est la kératoconjonctivite vernale. Donc là, on est devant un œil rouge non douloureux, un œil rouge non douloureux sans baisse d'acuité visuelle, donc sans sécrétion. La rougeur peut être diffuse, légère, unie ou bilatérale. Donc, on est dans la conjonctivite par sécheresse oculaire. C'est un terme assez nouveau, mais le syndrome de sécheresse oculaire ou l'œil sec, ou ce qu'on appelle une xérophthalmie, c'est la sensation de grains de sable, prurite diffus, picotement, brûlure, fatigue oculaire, paupières collées au réveil et photophobie. Ça dépend de l'étiologie, mais toutes les étiologies convergent vers une anomalie du film lacrymal, que ce soit les cellules muciniques ou bien le lipide lacrymal. Donc, tout l'intérêt de l'étude de la surface oculaire et l'application de substituts lacrymaux est là, les carbomères et les larmes à viscosité accrue ont toutes leurs indications. Donc, l'œil rouge sans sécrétion, rougeur diffuse, légère, unie ou bilatérale, on est dans la kératite phototraumatique. L'exemple type, c'est la soudure à l'arc qu'on voit ici, c'est la soudure à l'arc. Les symptômes commencent 4 à 5 heures après une exposition au soleil ou au vent. Il y a de l'armaillement, la photophobie et la rétraction des paupières. L'œil rouge
sans sécrétion, c'est une rougeur localisée en nappe unilatérale. L'hémorragie sous-conjonctivale, c'est un tableau alarmant pour le malade, alarmant pour les médecins qui ne connaissent pas. Donc, mais il est très favorable. C'est une symptomatologie qui disparaît au 10e ou 15e jour. Donc, il ne faut pas traiter, il faut donner une épreuve hydrique avec des boissons abondantes et tout se réglera 15 à 10 jours. Il faut insister sur la fragilité capillaire, le traumatisme, la pathologie grave, HTA, trouble de l'hémostase et la prise d'héparine ou bien de Saint-Tran. Donc, on va aborder la pathologie palpébrale, aussi bien l'os gelé que la chalazion que la blépharite. Le chalazion est un granulome inflammatoire du tarse. Il est dû à une obstruction du canal excréteur d'une ou de plusieurs glandes de Meibomius. Le traitement corticoïde, voire un antibiocorticoïde topique est indiqué lorsque le granulome est inflammatoire, donc lorsqu'il est douloureux. L'analyse de la surface oculaire et de la réfraction est indispensable parce que c'est un facteur de récidive, surtout pour chez les enfants. Donc là, il peut être, comme le voyons ici, externe ou à prédominance interne. Donc l'os gelé, c'est une infection des glandes de Zeiss et Moll située à la base des cils, c'est un furoncle du cil. Donc au niveau du bord libre, il est très douloureux, l'évolution est le plus souvent favorable. Si l'os gelé multiple, recherchez la notion de diabète. Traitement, il est à la fois physique, antibiotique, topique et antalgique. Donc, la blépharite, c'est l'inflammation et l'infection du bord libre des paupières. Le traitement repose sur l'hygiène quotidienne. Cette hygiène quotidienne est à entretenir à vie avec un réchauffement et un massage. Il faut mettre une compresse humidifiée, tiède, pendant 5 minutes au niveau des paupières, puis faire un massage en extraction le meibomius. Donc, ce liquide qui est pathologique, qui est à l'origine, doit être clair, huileux. Là, on voit qu'il est jaunâtre, épais. Là, on voit les croûtes. Et ici, on voit les collerettes au niveau de la base des cils. Donc, une toilette soigneuse des croûtes et des collerettes. Traitement de la sécheresse oculaire par des substitutifs lacrymaux, la pommade antibiotique en cas de surinfection. Je voulais aborder ce cas parce que là, je suis en présence d'aînés et de médecins généralistes aussi. Dans leur pathologie quotidienne, ils ont sûrement été confrontés à des dacryocystites aiguës. Peut-être qu'ils ont su les diagnostiquer, non? C'est une infection du sac lacrymal par sténose du canal lacrymonasal. La douleur de l'angle interne de l'orbite, il y a un reflux de pus à la pression. C'est une urgence médicale. Le traitement de la poussée aiguë repose sur une antibiothérapie locale et générale et un traitement physique. L'évolution est émaillée par la régression. Des récidives sont possibles et possibilités de fistulisation externe. Là, on voit ce mucocèle du sac avec les péricystites paupières supérieures et inférieures. Elle peut toucher aussi bien le sujet âgé que l'enfant et peut se compliquer parfois de cellulite comme dans ce cas. Le ptérygion, c'est une néoformation conjonctivale bénigne d'évolution lente. Les rayons UV, surtout les B, sont les principaux facteurs de risque. Les plaintes sont surtout fonctionnelles. Symptomatologie de surface et esthétique. Le traitement médical est symptomatique à type d'INS dans les poussées inflammatoires. L'arme artificielle est lubrifiant de surface. Le traitement chirurgical est le seul traitement curatif. La récidive est la principale complication post-opératoire. Donc, on entame le chapitre des l'œil rouge et douloureux. Donc là, on est devant les épisclérites et les sclérites. L'épisclérite est une inflammation bénigne spontanément résolutive, éventuellement bilatérale, modérément douloureuse. Enquête générale, souvent négative. La réponse est favorable au traitement AINS local et général. Pour les sclérites, elles sont destructrices, douloureuses. L'enquête générale est souvent positive pour les polyarthrites rhumatoïdes, lupus érythémateux systémique et la granulomatose de Wegener et autres. C'est caractérisé par une mauvaise réponse au traitement INS, local et général. C'est une prise en charge strictement des spécialistes pour les sclérites. Par contre, les épisclérites peuvent être prises en charge par les médecins généralistes, d'autant plus qu'elles répondent très favorablement, spontanément résolutives, et répondent très favorablement au traitement INS. Donc, par contre, ce cas,
de sclérite nécrosante est une urgence médicale absolue, nécessité d'une hospitalisation, voire même un traitement immunosuppresseur agressif. Là, on passe par la crise de glaucome aiguë par fermeture de l'encre. C'est l'urgence ophtalmologique par excellence. Donc le début est brutal, l'œil est rouge, la douleur est vive et étendue à la face, la cornée est trouble, la pupille est en mydriase, la photophobie, le globe oculaire est dur. Je fais un conseil pour mes amis, les médecins généralistes. C'est un malade qui vient dans un tableau douleur intense, donc le réflexe faux oculocardiaque est là, vomissement, nausée, qui peut vous perdre et aller vers le tube digestif. Là, il faut juste toucher l'œil et le patient va sauter de douleur. La première des choses, il faut éclairer l'œil, voir l'anisocorie et ce réflexe photomoteur qui ne marche pas au niveau de l'œil dilaté. Ce malade doit être rapidement adressé à un ophtalmologiste dans moins de 6 heures parce que là, l'atteinte est irréversible. On passera par les uvéites. Les uvéites nécessitent un examen ophtalmologique complet et approfondi. C'est une obligation de matériel, obligation d'un fond d'œil, obligation d'un examen à la lampe à fente. Là, je peux m'attarder un peu sur ces kératites-là. On voit cette photo où l'herpès labial est là. La photo, celle-ci, c'est l'herpès cornéen. L'herpès cornéen est réactif, donc on a instillé une solution qu'on appelle la fluorécéine. Donc ces arborisations témoignent de l'activité du virus. Et la même chose en éclairage blanchâtre. Donc cette pathologie, avec un traitement de 10 jours antiviral, guérit assez rapidement et la cornée reprend sa clarté. Par contre, si par malchance, le même malade bénéficie d'un traitement corticoïde local, cette arborisation va s'élargir, puis va s'infecter et puis va cicatriser de cette façon. Donc deux pics de fréquence pour la kératite herpétique, l'enfant, et qui dit enfant, c'est un âge de 3 à 4 ans, s'il a une cicatrice pareille, c'est adieu pour son œil, une amblyopie, une déviation oculaire. L'âge, le deuxième pic de fréquence, c'est l'âge adulte, qui dit âge adulte, dit mauvaise cicatrisation, donc cela va vers la perforation et une perte du globe oculaire. Donc attention à l'utilisation des corticoïdes. Les accidents aux lentilles de contact, il faut en parler parce que de jour en jour, on a plus de malades avec des lentilles de contact. Chez les porteurs de lentilles, surtout souples comparés à ceux rigides, le facteur de risque, le deuxième, c'est le port permanent. Le troisième, c'est le non-respect des mesures d'hygiène et d'entretien des lentilles de contact. Là, à votre niveau, ce que vous pouvez faire pour nous, parce que nous, au niveau de l'hôpital, on met des antiseptiques à action anti-amibienne en bolus. Une goutte chaque heure et puis on dégraisse. Là, vous pouvez mettre votre malade sous antiseptique anti-amibien, à action anti-amibienne, donc 10 à 8 instillations par jour, et nous l'envoyer. Là, je vais parler de deux complications à l'usage chronique des corticoïdes. Le premier, c'est le glaucome cortisonné. Là, c'est notre matériel pour mesure de la tension oculaire. Là, c'est un champ visuel qui met en évidence ces taches noires, c'est des scotomes, c'est des altérations compimétriques secondaires au glaucome. Là, c'est la vision du glaucomateux à un stade avancé. Et à un stade très avancé, il ne voit presque rien de son champ visuel. La deuxième complication, c'est l'usage prolongé des corticoïdes, c'est la cataracte cortisonnée. La cataracte cortisonnée, donc c'est une complication assez redoutable parce que c'est une cataracte assez postérieure, difficile à traiter. Donc chirurgicalement, c'est une chirurgie laborieuse, la première des choses. La deuxième, c'est une récidive et une opacification secondaire sur implant. Avant de passer à l'installation de collyre, je vais vous dire une histoire personnelle. J'ai une patiente que je suis pour une uvéite totale bilatérale avec vascularite. J'ai commencé à traiter par des corticoïdes locaux et généraux. J'avais besoin de traiter avec les corticoïdes locaux. Il faut savoir que les corticoïdes locaux donnent plus de glaucome que les corticoïdes généraux. Donc là, je suis arrivé après 2 ans à régler son problème d'inflammation. Mais il est apparu un glaucome cortisonique et une cataracte secondaire. Cataracte secondaire sous-capsulaire postérieure. Donc du point de vue d'inflammation, elle est sous immunosuppresseur et elle est calme. Par contre, le tonus est à 30 et à 34.
je ne peux plus le calmer. Donc, vous voyez la chose. Si vous ne pouvez pas maîtriser une chose, c'est grave. Donc là, à votre niveau, je pense que la corticothérapie, il faut la laisser en dernier. Je suis obligé de lui faire une chirurgie. Je suis obligé d'opérer une jeune fille à 25 ans pour une cataracte bilatérale. Là, il faut être en face. Je terminerai par l'utilisation des collyres, des bonnes pratiques. Donc, l'installation d'un collier se fait en tirant légèrement la paupière inférieure entre l'index et le pouce vers l'avant pour créer une petite poche. Il faut regarder vers le haut, mettre là où les gouttes de collier sur la conjonctive en mettant de toucher le globe, en évitant de toucher le globe oculaire, les paupières ou les cils avec l'embout. Fermer ensuite la paupière en clignant des yeux et répartir le collier et appuyant avec le doigt sur l'angle interne de l'œil. Bien refermer après utilisation, purger le collier en cas de réutilisation, ne pas remettre la première goutte, ne jamais prêter son collier, risque de contamination. L'utilisation de la pommade. Une pommade ophtalmique est plus efficace qu'un collier car le traitement de contact est plus lent. Appliquer un grain de riz dans le cul-de-sac conjonctival de la paupière inférieure ou sur le bord libre de la paupière, puis procéder comme un collier, ne pas toucher le globe oculaire, les paupières et les cils avec l'extrémité du tube. Si traitement simultané, commencez par le collier, attendre 15 minutes minimum avant d'utiliser la pommade, préférentiellement le collier la journée et la pommade la nuit. Pour conclure, l'œil rouge est une situation quotidienne fréquente. Éliminer une urgence par une enquête orientée, contre-indication au corticoïde collier en dehors d'un examen ophtalmologique, au moindre doute, un examen spécialisé ophtalmologique s'impose. Je vous remercie de votre attention.